en garde et vous voilà devant un athlète olympique à tester vos habiletés. Toute personne qui a envie d'essayer l'escrime, il peut venir à l'expérience olympique et voir s'il aime ça. L'idée de cette expérience immersive, conçue par l'entreprise montréalaise GSM Project, est de vous faire comprendre tout le travail qu'il y a derrière une performance de haut niveau, tout en s'amusant, bien sûr. Bon, le temps. Ici, ça, en bout de ligne, ça peut allumer une petite lumière pour des enfants qui disent « Moi, je suis intéressé, je vais aller nager comme Mark Tewksbury, je vais aller courir comme Bruni Surin. » Ben, on aura réussi notre but. Justement, pour s'assurer que l'aventure soit la plus réaliste possible, les athlètes ont été mis à contribution. Bruni Surin a été consultant pour le départ du sprint. Pour moi, personnellement, le fait de, bon, on a eu des médailles aux Jeux olympiques, championnats du monde, mais si j'ai pas la possibilité de partager, de transmettre mes connaissances, ma passion et tout ça, pour moi, ça vaut rien. Pour des émotions garanties, il y a la salle Lausanne. Grâce à un immense écran panoramique, on revit, presque comme si on y était, les meilleurs moments de nos athlètes à travers l'histoire. Et pour un voyage dans le temps, il y a la portion musée, avec photos et images d'époque, entrevues et témoignages de nos athlètes. Bref, un joli moment, une visite pour mieux connaître notre histoire olympique. Marie-Josée Turcotte, Radio-Canada, Montréal.